Encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot. Est-ce vraiment raisonnable? C'est votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Pourquoi la SQDC ne vend-elle pas de HHC? Bonne question, hein? Probablement parce que cette substance n'est pas encore apparue sur son radar. Mais je vous informe que c'est l'industrie de la transformation alimentaire, par contre, qui doit être à l'affût. Pourquoi? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Mais si peu de gens savent aujourd'hui ce qu'est le HHC, ce n'est pas parce que cette substance vient d'être découverte, pas du tout. C'est comme le concept de l'effet de serre. On pense qu'il s'agit d'une découverte récente. Dans les faits, c'est une militante des droits de la femme qui découvre l'effet de serre en 1857. Oui, 1857. L'Américaine Eunice Newton Foote va publier cette année-là « Circumstances affecting the heat of the sun's ray » dans la revue « The American Journals of Science and Arts ». Cette incroyable percée scientifique a été redécouverte en 2011, soit 154 ans plus tard. La conclusion des travaux de Mme Foote, Newton Foote, était limpide. Une atmosphère constituée de ce gaz donnerait à notre Terre une haute température. La dame avait tout fait ces simulations-là en laboratoire et avait été capable de se projeter dans le futur et dans la vraie vie. On revient au HHC, qui n'est pas un dérivé du THC. Alors, pourquoi est-ce que le THC est de plus en plus discuté? La réponse est simple. Selon certains experts, le HHC pourrait se faufiler entre les diverses restrictions actuelles. Pourquoi? On n'est pas dans un cas de figure comme le Delta 8 THC, qui est une variation du THC, alors que le HHC n'est pas du tout du THC. Vous avez bien entendu. Le HHC ne provient pas de la molécule de THC. C'est que le législateur pourrait ultimement être interdit d'interdire cette substance spécifique. En plus, comme bonus, la rumeur populaire voudrait que la consommation de HHC soit impossible à détecter dans un test de dépistage. Est-ce vraiment raisonnable? On va y revenir. Mais avant tout, c'est quoi du HHC? Ça se dit moins bien que du THC, hein? OK, vous le savez, hein, quand je suis au comptoir du Top Pot, je commence par un café. Une seconde. Hey, MJ! Salut! Ah, je savais pas. Mon habituel, s'il te plaît. OK. On disait quoi? Ah oui, c'est quoi du HHC? Là aussi, il faut un peu d'histoire, car le HHC n'est pas né hier dans des laboratoires israéliens. Non. C'est le chimiste américain Roger Adams qui crée officiellement le premier, une molécule de HHC, en ajoutant des molécules d'hydrogène à du THC Delta 9, à l'époque. En quelle année? On y revient. Une précision tout de même, juste pour être tous ensemble sur la même page. Le Delta 9, tétrahydrocannabinol, le THC, est ce cannabinoïde présent dans la plante de cannabis qui suscite tant d'intérêt. Ça, on le sait. La substance possède des propriétés qui affectent le système nerveux central et qui agissent comme, entre autres, anti-inflammatoires. On sait tous ça aussi. Mais cette substance, le THC, est présente aussi dans d'autres plantes. Le rhododendron de votre maman, qui fait partie de la famille... Pas votre maman, mais le rhododendron, fait partie de la famille des éricacées. Le rhododendron produit aussi du THC. L'hépatite, qui est une petite plante terrestre qui ressemble à de la mousse, en contient aussi. Il en existe plus de 7000 variétés au monde de cette mousse.
L'hépatite, évidemment, encore une fois, contient des quantités bien plus petites que le cannabis. Sinon, on ferait pousser de la mousse partout au Canada, sauf en Colombie-Britannique, où elle pousse en abondance dans les forêts. Dernière précision avant de revenir à M. Roger Adams. Le THC est isolé officiellement pour la première fois en 1964 par le célèbre Raphaël Mechoulam et son collègue moins connu, Yechiel Gaoni. Maintenant qu'on vient de se donner une petite perspective historique, on revient au HHC. Selon les sources disponibles, le HHC aurait été créé en 1944 ou 49, selon les sources. Donc, dans les années 40. Comment? Juste une seconde. Merci, MJ. Oh, c'est bon. OK. Merci de m'avoir attendu. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Roger Adams et la création du HHC il y a une quatre-vingtaine d'années déjà. Eh bien, Adams applique au cannabis un traitement que vous connaissez. Votre mère vous en a sûrement parlé, peut-être même votre grand-mère. Adams a appliqué le même traitement au cannabis. Lui, il l'a utilisé à l'époque du THC plutôt que du CBD. Le même traitement que pour la margarine. Oui, exactement comme on faisait pour la margarine, en utilisant de l'hydrogène. On le sait, l'hydrogène est utilisé pour rendre les huiles solides. Et l'industrie alimentaire a longtemps utilisé le procédé qui s'appelle hydrogénation comme processus de transformation. Ce procédé chimique transforme les acides gras insaturés en acides gras saturés. Au passage, effet collatéral, cette transformation génère un sous-produit, l'acide gras trans, qui fait si peur aux diététistes. Les gras trans. C'est pour ça que je vous disais que votre mère ou votre grand-mère est au courant de ce processus, ce procédé industriel. Les industriels, depuis, ont appris et les meilleures marques de margarine ne sont plus produites par hydrogénation, mais par un simple mélange de différentes huiles et une graisse dure, comme par exemple l'huile de palme, qui propose ses propres difficultés environnementales, mais c'est une saga pour une autre fois. Donc, un mélange plus adéquat pour obtenir la bonne consistance. Fait amusant pour la suite de notre discussion, le site de Santé Canada précise que l'hydrogène utilisé pour l'hydrogénation n'a pas à être indiqué comme ingrédient ou comme constituant sur les étiquettes de produits pré-emballés. Ceux et celles qui écoutent fréquemment Top Pot commencent déjà à comprendre où je me dirige avec mon argumentation. Alors, le HHC, de son petit nom l'hexahydrocannabinol, est un dérivé hydrogéné du tétrahydrocannabinol. Le HHC, donc je l'ai dit, a été synthétisé pour la première fois dans les années 40 par Adams en utilisant le THC naturel trouvé dans le cannabis sativa. En 2021, tout a changé. On fabrique le HHC avec tout simplement du CBD provenant de plantes de chanvre qui sont tolérées même en France, par exemple. Ça veut dire que ça peut pousser partout. Pas besoin de transformer des plants qui ont une forte teneur en THC. Vous voyez déjà l'économie dans la chaîne de production. Et donc, l'hydrogénation du CBD donne du HHC. Mais comment fonctionne le HHC dans le corps humain? Ben, des études ont prouvé que le HHC est capable de se lier au récepteur CB1 pour produire des effets cannabinoïdes chez les animaux. Oui, la liaison HHC avec les récepteurs CB1 existe, mais elle serait moins forte que celle du THC. Normalement, cela indiquerait un effet intoxicant plus faible du HHC comparé à celui du THC. Petit rappel pour les distraits comme moi, provenant directement de la Bible des poteux, un document de 290 pages mis à la disposition des pros de la santé au Canada. Évidemment, comme toujours, il y a un lien dans les notes de l'épisode. Le document s'appelle « Renseignements destinés aux professionnels de la santé ». Eh bien, ce document nous rappelle que le SEC, le système endocannabinoïde, est un ancien système de signalisation lipidique ubiquiste K,
conservées au cours de l'évolution, que l'on retrouve chez tous les vertébrés. Oui, moi aussi, les oreilles m'ont relevé quand j'ai entendu « signalisation lipidique ubiquiste ». Une saga pour une autre fois, je me suis dit immédiatement. Puis, parce que LinkedIn est un outil merveilleux, j'ai posé la question à Nicolas Autier, un sachant français que je côtoie sur LinkedIn. Eh bien, M. Autier, qui est au centre de l'expérimentation française, a eu la gentillesse de me répondre presque instantanément hier. Il m'a guidé sur la bonne voie en m'écrivant « Lipidique fait référence à la synthèse des photocannabinoïdes et ubiquiste, car on retrouve des récepteurs partout dans le corps humain. Donc, c'est l'enchaînement des connaissances depuis plusieurs années qui permet de donner cette description. » Armé de cette définition, un peu plus tard, dans l'après-midi d'hier, j'ai fait une recherche plus poussée et j'ai trouvé, dans une présentation québécoise, une définition. La signalisation lipidique désigne l'ensemble des processus biochimiques de signalisation cellulaire impliquant des lipides qui se fixent sur une protéine cible, telle qu'un récepteur, une kinase ou une phosphatase, laquelle déclenche à son tour d'autres processus au sein de la cellule en fonction des messagers lipidiques. Fin de la citation. Cette définition était dans un document intitulé « Symposium des infirmières, Programme national de mentorat, novembre 2015 ». Ça concernait le VIH-SIDA. On retrouve dans ce document exactement le même passage que dans la Bible des poteux, écrit quelques années plus tard. Ancien système de signalisation lipidique ubiquiste, conservé au cours de l'évolution que l'on retrouve chez tous les vertébrés, lequel semble jouer un très grand rôle de régulation dans tout le corps humain. Alors, Luc, est-ce que tu comprends toutes les implications de cette définition? Non. Suis-je mieux renseigné? Oui. Vais-je avoir des alertes plus sensibles à ces notions dans le futur? Oui également. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Selon notre Bible des poteux, et là je cite plus ou moins texto, le système endocannabinoïde, le SEC, semble jouer un très grand rôle de régulation dans tout le corps humain. Le SEC participe à la régulation d'un nombre très vaste de processus physiologiques et physiopathologiques, comme le développement du système nerveux, la fonction immunitaire et cardiovasculaire, l'inflammation, l'appétit, le métabolisme et l'homéostasie énergétique, la digestion, le développement osseux, la densité osseuse, la plasticité synaptique et l'apprentissage, la douleur, la reproduction, la maladie psychiatrique, le comportement psychomoteur, la mémoire, les cycles de veille et de sommeil, ainsi que la régulation du stress et de l'état émotionnel et de l'humeur. Wow! En plus, tout porte à croire que le dérèglement du SEC contribue à de nombreuses maladies chez l'humain et engendre notamment de la douleur, de l'inflammation, des troubles psychiatriques et des maladies neurovégétatives. Fin de la citation provenant de la Bible des poteux. Nos fameux récepteurs CB1 et CB2, le CB1 que j'ai déjà nommé plus tôt aujourd'hui, les deux font partie du SEC. En quelle année a-t-on découvert le récepteur CB1? 1988. Cela a permis de comprendre comment fonctionnait vraiment le THC. Les récepteurs CB1, je l'ai dit, sont présents dans tout le système endocannabinoïde, mais pas que, car ils existent aussi dans le système nerveux périphérique. C'est pour ça que le mot « ubiquiste » est utilisé. Le mot « ubiquité », que lui, je sais prononcer sans problème, ça fait plus longtemps que je l'utilise d'ailleurs, le mot « ubiquité » veut dire « faculté, possibilité d'être présent en plusieurs lieux à la fois ». Le grand chef indien Seattle était considéré comme ayant ce don d'ubiquité. Mais ça aussi, c'est une saga pour une autre fois. Là, on pense évidemment aux poumons, au système gastro-intestinal, l'utérus ou les testicules, selon votre particularité. Alors que dans le système nerveux central, on parle de l'hippocampe, du cortex associatif et du cervelet. Je simplifie à la fois pour les besoins de l'épisode, mais aussi à cause de mes propres limites. Si vous êtes un sachant, un expert dans le domaine, lucprévost@hotmail.com, écrivez-moi, on va faire un épisode juste sur ce sujet.
En parallèle, je pense qu'il est important de rappeler pourquoi l'industrie de la transformation alimentaire utilisait l'hydrogénation sur les huiles, ou dans les huiles. Les avantages étaient nombreux. Extension de la durée de conservation, correction du goût, réduction de l'oxydation et une diminution des coûts de production. Ça fait beaucoup de choses, hein, pour quelqu'un qui pourrait, par exemple, s'intéresser à produire des mangeables, les comestibles de la SQDC. J'imagine que le CETAC, le Conseil de transformation alimentaire du Québec, a un dossier sur ce sujet. L'oxydation, c'est pas compliqué, c'est ce qui arrive quand on croque une pomme et qu'on la laisse sur un comptoir. La pomme va changer de couleur à cause de la réaction chimique causée par le dioxygène de l'air. La lumière et la température jouent aussi un rôle dans cette transformation. C'est pour cela, en gros, que la banane a une pelure, la banane est intelligente, et que la pomme a une peau. Elle aussi, elle se débrouille bien. Pour empêcher l'oxydation dans les deux cas. Pour la pomme, ce sont ces enzymes qui sont transformées et libérées en mélanine. Oui, la même mélanine qui vous permet de bronzer au soleil. Pourquoi l'orange et le citron n'oxydent pas? Vous connaissez ma réponse? Comment fabrique-t-on le HHC? En moins de 30 secondes, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo d'une trentaine de minutes, donc assez détaillée, avec des tonnes d'informations et même une PNE, une procédure normalisée d'exploitation. En anglais, on dit les SOAP, les Standard Operation Practices, une PNE en français. Je ne partage pas le lien. Pourquoi? Parce que même si je n'ai jamais entendu parler d'une explosion dans une usine de margarine, le procédé n'est pas simple et implique plusieurs étapes volatiles, disons. On commence par extraire le CBD du chanvre pour en faire une poudre qui va être essentielle à la réaction chimique nécessaire pour créer le HHC. Rien de compliqué. Mais ensuite, ça prend un réacteur. Quand je dis réacteur, tout de suite, je vois un avion. C'est pas le bon réflexe. C'est comme si je dis le mot « lait ». Qu'est-ce que vous avez vu quand je viens de dire le mot « lait » ? Si vous avez vu une vache, c'est pas normal. Parce que comme humain, on devrait penser au sein de notre mère. Donc, en fait, un réacteur, c'est un récipient fait exprès pour contenir des réactions chimiques pour transformer de la matière. Une cocotte minute ou l'autocuiseur fait ça très bien pour mes plats de lentilles ou mes fèves au lard sans lard parce que je suis vegan. Une réduction du temps de cuisson, meilleure préservation après. Il faut juste comprendre la dynamique de ce qui se passe dans le fond du pot. Calibrer sa chaleur et la durée de la cuisson. Et si on est vraiment paresseux, on calcule aussi le temps de repos de son rond sur sa cuisinière. Donc, on peut inclure dans le temps de cuisson le temps que prend le rond à refroidir. Donc, on peut l'allumer moins longtemps. Dans une usine, ce genre de processus est aussi, j'imagine, possible. Et on parle donc d'économie, entre autres, dans ce cas précis, d'énergie. Donc, le réacteur, dans le fond, c'est une boîte noire paramétrée pour la thermodynamique, la sécurité et la cinétique. Tous des facteurs que va agencer un gars ou une fille qui s'appelle ingénieur chimiste. Et son rôle est d'optimiser la réaction et son homogénéité. Donc, tu veux que tout ce qui est dans, ben, par exemple, mes lentilles, je veux qu'elles soient toutes cuites pareillement. Je ne veux pas que celle qui soit au fond soit la moulée et que ce qui est en haut soit pas encore cuit. Je pense que dans le fond, pour la cuisson de mes lentilles ou pour une réaction pour créer du HHC, on appelle ça le génie des procédés. Pour un vrai lieu de production professionnel avec une mise en terre totale, pour éviter les risques d'explosion qui peuvent être créés par une décharge statique, le HHC peut être créé facilement en toute sécurité. Ça vous tente de faire ça dans votre sous-sol? Mon conseil, seulement si vous n'êtes pas mon voisin, et seulement si vous n'aimez pas la vie. Je ne consommerai jamais un tel produit provenant de nulle part, même si je vous connais bien. Est-ce que je consommerai du HHC fait par des industriels du secteur alimentaire québécois? Les yeux fermés, parce qu'eux sont imputables, je crois. Mais alors, pourquoi parle-t-on plus que jamais du HHC? C'est une histoire de finesse. Le HHC échappe aux classifications habituelles, et c'est ce qui fait son attrait. Un exemple? Imaginons que le CETAC, le Conseil de transformation alimentaire du Québec, s'intéresse à cette molécule dans le cadre d'un séminaire.
Là, on nage en pleine science-fiction. Hein. J'invente tout ce machin, une sorte de scénarisation du début de la promesse d'une réaction du milieu des affaires québécois. Mais en même temps, c'est intéressant de vous informer de ce qu'est le CETAC. C'est tout simplement le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Sur son site, j'ai appris que l'alimentation est le premier secteur manufacturier en importance au Québec. Le premier employeur aussi, avec plus de 550 entreprises et au moins 2400 établissements au Québec. Le secteur alimentaire rêve du cannabis parce que la transformation permet une réelle plus-value sur le prix de vente d'un produit dans un contexte mondial, j'arrête pas de le dire, où le prix de la fleur est en chute libre. C'est normal, hein? Plus d'offres égale une baisse des prix. Presque partout. Sauf au Canada, avec notre capitalisme à la canadienne. Dans le fond, je suis un peu de mauvaise foi, là. Le prix a baissé dans la dernière année au Canada de quelques sous, pour le prix au gramme général vendu à travers le Canada. Revenons à mon exemple. Tout à l'heure, je vous parlais de lentilles, là. Parlons de pois chiches. Le Canada est un des plus grands producteurs de pois chiches au monde, on ne le sait pas. Mais c'est un fait. Pas nécessairement beaucoup de pois chiches bio, cela doit venir de Turquie. Dans l'Ouest canadien, on ne croit pas au bio. Pas beaucoup. Pas pour l'instant encore. Ils y croient dans le cannabis, par contre. Alors, un kilo de pois chiches sec pour le consommateur, au prix du consommateur, ça vaut 9 $. Juste pour vous, j'ai trouvé un site qui propose le pois cru versus le pois cuit des féculents. Le facteur pour les pois chiches est de 2 pour 1. C'est-à-dire que pour 100 g de pois chiches, on aura après cuisson genre autour de 200 g. En fait, c'est 210 g parce que le facteur est de 2,1. Le prix d'une boîte de la marque Maison IGA est de 1,50 $ pour une boîte de 540 ml de pois chiches. Et si je poursuis mon escalade en fonction de la transformation, le contenant d'une petite barquette Fontaine Santé traditionnelle de hummus vaut en général autour de 4 $ pour la barquette de 260 g. Vous voyez le genre. Plus la plus-value augmente, plus la part du petit pois chiche cru diminue. Et donc, plus la transformation industrielle opère sa magie. Au Québec, le cannabis 2.0 n'a jamais décollé. Trop de stress réglementaire, quand il ne s'agit pas tout simplement de simples interdictions. Je le répète. Je vous propose un scénario de science-fiction qui n'a rien à voir avec les dossiers du CETAC ou des industriels québécois, dont je ne sais rien à part quelques sujets d'actualité et de quelques problématiques d'ordre public qui intéressent ce regroupement d'industriels. Je vous encourage d'ailleurs à consulter le site du CETAC, c'est du sérieux. Mais ensemble, maintenant, pour le plaisir du cerveau, imaginons que des industriels décident de lancer des produits comestibles, ce que j'appelle des mangeables, lancer des mangeables donc avec du HHC. Que pourrait dire le législateur québécois? Est-ce que le HHC est légal au Québec? Le HHC, je l'ai dit et je le redis, est un dérivé du chanvre, du CBD, et ne contient pas de THC. À aucun moment, il n'a flirté avec cette molécule. Le THC est un tétrahydrocannabinoïde, le HHC est un hexahydrocannabinol. En plus, le HHC existe en petite quantité dans les graines et dans le pollen du chanvre. Le HHC n'est donc pas un produit Frankenstein puisqu'il existe naturellement dans la nature. C'est comme ça que les choses sont naturelles. J'ai trouvé d'autres experts américains pour affirmer l'inverse. Mais ce qui est vrai aux États-Unis peut s'avérer faux au Canada, car le THC est toujours illégal chez eux. C'est dans cette zone légale obscure que vont se construire de nouvelles fortunes. Si on pense aux grandes fortunes canadiennes, certaines de ces fortunes se sont faites dans des conditions similaires. Et je prends la peine de répéter, est-ce que je consommerais demain matin du HHC sans plus de détails? Non, absolument pas. Surtout que HHC, en soi, ne veut rien dire, puisqu'il existe au moins une dizaine de variations de cette molécule. Par contre, si l'industrie alimentaire du Québec, après des recherches, beaucoup de recherches, proposait des mangeables de HHC, tout serait différent. Mais pourquoi une telle molécule serait avantageuse pour le cannabis 2.0? Bien, la première des raisons, c'est qu'il n'existe pas au Québec, le cannabis 2.0. Le HHC a aussi
comme c'est merveilleux, une durée de conservation très 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 longue, plus longue que ses concurrents pour le buzz, et résiste mieux à la chaleur élevée ou à l'exposition aux rayons UV. Il me semble, pour un idiot du village comme moi, un béotien total, que c'est une combinaison gagnante pour les spécialistes de l'alimentation et les gens qui veulent consommer des mangeables industriels. Dernier détail super intéressant, super important, ce processus d'hydrogénation, qui n'est pas à la portée industrielle de tous, eh bien, il vient d'être réinventé en Afrique du Sud. C'est devenu un processus plus sécuritaire qui, en plus, consomme moins d'énergie. Oui, les curieuses vont trouver un lien dans les notes de l'épisode pour savoir de quoi il en retourne. Il s'agit de nouvelles opportunités, quoi. Mais rien à très, très court terme. Pourquoi quelqu'un consommerait du HHC? Pour ses effets. Mais que savons-nous de ses effets aujourd'hui, en 2021? Là aussi, rien n'est vraiment clair. Je vous l'ai dit, on fait de la science-fiction. Les témoignages disponibles disent que l'effet ressenti peut être très puissant. D'autres témoignages disent l'inverse. J'ai une idée de la raison pourquoi ça arrive. Je vous en reparle un peu plus tard. Il y a des produits déjà disponibles aux États-Unis, comme celui utilisé comme photo pour illustrer cet épisode. Mais commençons par la base, qui est quelle forme de consommation est possible avec du HHC. Eh bien, le HHC est un liquide. Il doit donc, ou il peut donc, être vapé ou mangé. Et il existe, je le redis, zéro consensus actuellement sur la puissance de ses effets sur les humains. Pourquoi? On y arrive. J'aimerais dire que c'est simple, mais je ne le ferai pas. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est compliqué. La transformation du CBD en HHC donne un mélange composé de deux molécules différentes, la molécule 9R-HHC et la molécule 9S-HHC. La molécule 9R, à cause de sa structure, peut se lier facilement au récepteur endocannabinoïde. La seconde molécule, le ou la 9S, a une structure moins adaptée au récepteur humain. La bonne dose de 9R, donc, provoquerait des effets similaires au THC. Peut-être une petite illustration pour vous aider à comprendre cette histoire de récepteur. Vous avez déjà vu un jeu d'enfant où il y a des triangles, des ronds, une vis, et l'enfant doit prendre la bonne forme pour la rentrer dans le bon trou sur le petit plateau. Les récepteurs et les molécules, ça ressemble un peu à ça. Oui, je sais, peut-être que vous avez déjà réussi à rentrer un carré dans un rond, mais ce n'est pas la bonne méthode. Hein? Alors, gramme pour gramme, le HHC serait moins puissant que le Delta-8 THC. On sait aussi que le Delta-9 THC est moins puissant que le Delta-8 THC, qui, lui, par contre, est interdit. Le HHC, on peut l'affirmer, est une substance à moitié synthétique. J'ai dit que ce n'était pas un produit Frankenstein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été synthétisé. Des tests sérieux sont nécessaires pour continuer de vérifier son innocuité. J'en profite pour dire et redire que le cannabis est soumis à un niveau de scrutation qui ne peut que profiter aux consommateurs. Je dis ça dans le respect de la santé publique. Mais je dis ça aussi avec un sourire aux lèvres. Car je pense à tous ces gens qui utilisent du pot pour dormir plutôt que de la mélatonine. Et là, je me permets de revisiter l'épisode 5 de Top Pot qui portait sur le café et le cannabis. Dans cet épisode, je racontais quelque chose qui ressemblait à ce qui suit. Le gouvernement canadien, le gouvernement québécois, tous les organismes, à l'exception du crime organisé, exhortent la population à faire attention aux molécules de cannabis. C'est bien. Mais quand un produit est vendu en pharmacie, qu'il s'agisse de formulations homéopathiques ou de mélatonine, le commerce prime. Pourquoi les pharmaciens vendaient des produits homéopathiques? Ils en vendent d'ailleurs peut-être toujours. Pour le profit. Exactement pour la même raison qu'ils vendaient des cigarettes. Certains diront que c'est parce que les clients demandent. C'est ce que disait l'association des propriétaires de pharmacies à une époque, plus maintenant. Leur discours a aussi évolué.
La science parle, évidemment, mais le marché, le grand marché, lui, crie. Et le lien avec la mélatonine qui se vend maintenant sous forme de petits oursons gélatineux pour les enfants? Eh bien, la mélatonine est une hormone, exactement comme les stéroïdes anabolisants. Et quand on prend des stéroïdes, on le sait, et c'est pour ça qu'on dit aux jeunes de ne pas en prendre, il y a de fortes chances que les testicules deviennent toutes petites, surtout si on est un homme. Et donc, le corps arrête de fabriquer sa propre testostérone. Ça fait partie de la communication de base pour dire aux jeunes « faites attention à la testostérone ». La mélatonine, je le disais, est aussi une hormone fabriquée par l'épiphyse ou la glande pinéale. La Société canadienne de pédiatrie affirme sur son site que, pour Santé Canada, la mélatonine est un produit de santé naturelle. Est-ce que le corps de l'enfant qui gobe des oursons de mélatoto, c'est comme ça que j'appelle ça à la maison, ou c'est comme ça que j'appelais ça parce que je n'en prends plus? Alors, est-ce que ce corps d'enfant qui gobe des oursons de mélatonine pour faire plaisir à ses parents va être capable de continuer à produire sa propre mélatonine lorsqu'il sera adulte? Je ne vous donne pas de réponse. Faites comme moi. Demandez à votre pharmacien, est-ce que la prise de l'hormone mélatonine conduit à long terme à une défaillance de la production par l'humain? Ou par mon bébé? Ou par mon enfant? La mienne de pharmacienne, qui par ailleurs est une personne remarquable, m'a dit qu'elle ne le savait pas, qu'il est trop tôt pour le dire. Le plus drôle, enfin drôle, est que Santé Canada dit de tout son poids de spécialiste de la santé que la mélatonine est uniquement pour les adultes. Pour les enfants et les ados, il s'agit d'un emploi non autorisé. Je pleure pas là, hein? J'expose simplement, clairement, le double standard pour un produit qui vient directement d'un laboratoire pharmaceutique versus un produit utilisé depuis des millions d'années ou des milliers d'années, sans histoire particulière. Oui, il faut plus de recherches sur le HHC. Oui, évidemment. Il faut toujours plus de recherches sur tout. Je n'ai jamais vu d'ailleurs une recherche qui ne conclut pas en disant qu'il faut plus de recherches. Sur la mélatonine aussi, il faudrait plus de recherches. Pourquoi? Parce que vous en donnez à vos enfants et que vous les aimez. Moi, je n'en prends plus. Ma belle n'en prend pas. Si quelqu'un avait le courage de questionner sa pharmacienne, je suis curieux d'en savoir plus sur votre échange. N'hésitez pas, lucprévost@hotmail.com. Alors, en novembre 2021, peut-on dire que la consommation de HHC est sûre? Pour moi, il est impossible de l'affirmer, évidemment. Même chose pour la mélatonine. Je ne peux pas affirmer que ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas ce que la science dit. Par contre, les fournisseurs américains n'ont pas à soumettre les cannabinoïdes dérivés de chanvre, y compris le HHC, à des tests. C'est ça qui est l'astuce, c'est ça qui fait que les industriels américains salivent déjà. Est-ce que vous leur feriez confiance à ces industriels américains? Un industriel québécois qui produirait le même produit avec des résultats de recherche probants? Oui, j'aurais plutôt tendance à faire confiance. Toujours cette question d'imputabilité. Maintenant, on entre dans le rigolo. Il y a une légende urbaine, une rumeur urbaine persistante qui affirme que le HHC soit la bonne molécule pour les gens qui doivent subir fréquemment des tests antidopage. Feu rouge, immédiatement, rien de cela n'est prouvé. Donc, si votre emploi dépend du plus récent test de dépistage de drogue que vous aurez subi, le HHC n'est pas une vraie solution béton. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas dans ce que j'ai vu ou lu pour l'instant. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. C'est tout ce que je peux affirmer. En plus, si vous comptez sur le fait, et ça fait partie aussi de la légende urbaine, que la plupart des laboratoires canadiens ne sont pas encore capables de détecter le HHC, ça va changer rapidement. OK. Il est quel? Oh, juste un instant. Hey, MJ. Bonne semaine. Merci beaucoup, hein? Et si tu vois Cynthia, dis-lui bonjour de ma part. OK. Bye. Alors, au final, est-ce que la commercialisation de la molécule HHC pourrait éclater au grand jour? Peut-être. Ce qui est clair, c'est que l'industrie alimentaire pourrait tenir un très bon filon pour les produits de cannabis 2.0.
Est-ce que les mangeables additionnés de HHC auraient une durée de conservation plus courte que les produits transformés ordinaires? Il y a un gars, Scott Reifler, R-E-I-F-L-E-R, c'est le directeur scientifique d'une société qui s'appelle Source Technology, S-O, avec une petite barre au-dessus, R-S-E Technology. Mais lui, il affirme que si tout est bien fait, un produit additionné de cannabis a normalement une durée de vie ou une durée de conservation similaire au même produit sans cannabis. Mais si la durée de vie des mangeables additionnés de HHC est encore plus longue que celle des produits additionnés de THC, là, ça deviendrait très intéressant. Je constate fondamentalement que l'industrie alimentaire est dans une quête perpétuelle pour augmenter la durée de vie de ses produits. Elle devrait donc s'intéresser, dans le long terme, au HHC. Le cannabis est à l'intersection de plusieurs disciplines scientifiques et de beaucoup d'intérêts commerciaux. Le folklore du cannabis, genre le HHC, n'est pas détecté dans un test antidopage, ajoute à la complexité de la situation. Symétriquement, l'industrie du cannabis tire une partie de sa légitimité des recherches qu'elle utilise et de celles qu'elle va produire au cours des prochaines décennies. Sans doute que face à la frilosité réelle du législateur québécois, une industrie qui publierait des recherches trouverait un nouvel appui dans la population. Pour l'instant, on ne sait rien, en fait, je ne sais rien de ce que l'industrie québécoise a produit comme recherche. Alors, si on revient à la question initiale du titre de l'épisode, pourquoi la SQDC ne vend pas de produits faits avec du HHC? Je dirais, pour commencer, que la molécule HHC n'est même pas présente dans la Bible des poteux produite par Santé Canada, même si la substance existe depuis quelques décennies. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce n'est pas le mandat de la SQDC d'introduire à court terme de nouvelles molécules dans son offre de vente. Par contre, dans le contexte plus large de libéralisation de toutes les substances dopantes, scénario auquel réfléchit actuellement le gouvernement fédéral canadien, on peut penser que le HHC va faire son chemin. C'est forcé. Le marché canadien du cannabis est bouleversé par une préférence de plus en plus marquée pour la microproduction. Donc, on parle de fleurs à valeur ajoutée extrême. À l'autre extrémité du spectre des possibilités, il est clair que beaucoup d'espoir repose sur une nouvelle vague de cannabis 2.0 qui offrirait les avantages de l'absence de fumée et d'odeur, tout en permettant des effets similaires à celui de la consommation des fleurs sous forme de combustion. Je termine le 80e épisode de Top Pot par deux appels. Le premier est un appel de veille technologique. Si vous voyez des produits faits avec du HHC au Québec ou ailleurs dans le monde, en Europe entre autres, faites-moi signe. Gardez un lien et écrivez-moi à lucprévost@hotmail.com. Je ne suis pas curieux, je suis avide d'en savoir plus. Le deuxième appel, qui devrait être naturel pour quelqu'un qui fait un podcast, est plus difficile pour moi. Je sollicite votre aide, mais seulement si vous vous considérez comme une personne ressource dans le cannabis, par la somme de vos expériences et de vos études. Oui, si vous vous considérez comme un sachant dans le cannabis, oui, là, vous, et toi aussi, là-bas dans le fond du café, là, je te vois, ne te cache pas. Bien, je vous demande, vous exhorter, ça serait trop, vous prier, ça serait impropre. Je vous demande donc tout simplement de partager Top Pot avec un ou une amie qui s'intéresse au cannabis autant que vous. C'est pas compliqué, vous envoyez un lien de votre épisode préféré à une personne qui pourrait l'apprécier. C'est tout, c'est pas compliqué, hein, mais je suis pas trop habitué à demander de l'aide. Je compte sur vous, mais seulement si vous vous considérez comme une sorte de sachant ou d'expert. Dans le fond, si vous retirez un profit réel de Top Pot, je vous demande de m'aider à rendre Top Pot plus populaire. Et je me sens bien malgré le fait que je ne suis pas à l'aise. Et voilà, c'était le 80e épisode de Top Pot. 80, c'est incroyable. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie évidemment pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon changement.